La permaculture est une méthode de conception destinée à la création d'environnements humains soutenables. Le mot permaculture est né de la contraction des termes permanent et agriculture, mais aussi de l'expression culture de la permanence. Elle vise en effet à développer une culture pérenne, laquelle requiert notamment une agriculture soutenable et un usage éthique des terres. Sous certains aspects, la permaculture s'occupe de plantes, d'animaux, de constructions et d'infrastructures pour l'eau, l'énergie et les communications. Cependant, elle ne s'intéresse pas tant à ces éléments en tant que tels qu'aux relations qui peuvent être établies entre eux et à la manière de les organiser sur le terrain. Le but est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l'environnement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leurs propres besoins, qui n'abusent ni des humains ni du vivant, qui ne polluent pas la terre et qui, par conséquent, sont durables sur le long terme. Pour cela, la permaculture utilise les caractéristiques des plantes et des animaux et les combine à celles du site et des installations afin de créer sur la plus petite surface possible un écosystème cultivé qui puisse assurer la vie, que ce soit en ville ou à la campagne. La permaculture s'appuie ainsi sur l'observation des systèmes naturels, sur les savoirs à la base de l'agriculture traditionnelle et sur les connaissances scientifiques et technologiques modernes. Bien qu'elle s'inspire des fonctionnements naturels, la permaculture vise, au moyen de l'intervention humaine, à créer des écosystèmes cultivés produisant plus de nourriture que l'on en trouve d'ordinaire dans la nature, pour les humains et pour les animaux. Dans tous les systèmes d'agriculture permanente et dans une civilisation durable en général, les besoins en énergie sont satisfaits par le système lui-même. L'agriculture moderne, pour sa part, est totalement dépendante de ressources énergétiques extérieures. Dans le passé, lorsque l'agriculture était durable, la terre était un bien commun. Pour basculer vers une agriculture annuelle et commerciale, qui considère la terre comme une simple matière à exploiter, il a fallu se mettre à détruire les ressources naturelles et à consommer de grandes quantités d'énergie fossile. Celles-ci permettent d'assouvir des besoins accrus en carburant, en grains, protéines et travail, mais elles ne viennent pas du site cultivé. Elles sont le plus souvent issues de pays en voie de développement. L'agriculture conventionnelle ne le reconnaît pas encore, mais elle rencontre ses limites. Les terres produisant céréales et légumes annuels ont perdu leur fertilité. Ce n'est qu'à l'aide de ressources non renouvelables que les rendements se maintiennent. Le surpâturage et le labour excessif provoquent l'érosion des sols. L'eau et la terre sont pollués par les produits chimiques. Lorsque les besoins d'un système ne sont pas autosatisfaits, nous en payons le prix en consommation d'énergie et en pollution. Actuellement, nous ne pouvons plus assurer les coûts réels de notre agriculture. Elle tue le monde et cela nous tuera. Pourtant, il suffit de nous asseoir sur le pas de notre porte pour avoir sous les yeux tout ce qu'il faut pour mener une vie simple. Le soleil, le vent, des gens, des pierres, des bâtiments, la mer, des oiseaux et des plantes autour de nous. La coopération entre tous ces éléments mène à l'harmonie. S'y opposer n'apporte que désastre et chaos. Je sais pas, j'aime pas.
Alors, pour commencer, moi, je vais vous parler des problématiques que j'avais au départ ici en trouvant, quand j'ai racheté ce lieu. La parcelle en elle-même fait 4000 m2. Donc ça va jusqu'aux chênes qui sont dans le fond. Quand je l'ai racheté, la partie là-bas où il y a déjà les arbres, c'était que du gazon et les arbres qui sont déjà présents. Ici, 1500 m2, une mauvaise prairie, c'est-à-dire plus d'adventices que d'herbes. Et les 1500 autres mètres carrés dans le fond, c'était des genêts et des ronces sur à peu près 5 mètres de haut. Mignon. Voilà le point de départ, début 2011. Ouais, c'est. Donc ça, c'est le point de départ en début 2011. À cela se rajoutaient plusieurs choses. Là, je suis orienté plein sud, ici. Donc j'ai un ensoleillement maximum de ce côté-ci toute la journée. Ce qui est un avantage, mais ce qui représente aussi un inconvénient. En été, en plein soleil, je peux monter jusqu'à 40 degrés. Et en hiver, descendre jusqu'à moins 10 et moins 13. Donc ça, c'est une problématique, l'amplitude thermique. Deuxième problématique, on ne constate pas aujourd'hui, mais j'ai du vent pratiquement 250 jours par an ici, qui vient soit du sud-ouest, soit du nord-ouest, soit du nord-est. Donc un vent régulier, vent asséchant la plupart du temps. Ensuite, on va parler plus des conditions du sol. Le sol ici, si je voulais le travailler, c'est à la pioche. Première à la pioche. La première année, j'ai essayé avec un motoculteur, je rebondissais presque dessus. J'arrivais tout juste à décaloter l'herbe de surface. Ensuite, au niveau du sol, j'ai maximum 40 cm de hauteur de terre. Et quand je dis terre, c'est terre, sable et cailloux, pour des proportions d'un tiers, un tiers, un tiers. Donc j'ai un sol hyper drainant, hyper compact à la base. Un vent, une amplitude thermique énorme. Vous voyez, en termes de conditions pédoclimatiques, c'est pas terrible pour commencer. Et des écosystèmes naturels pour recréer des écosystèmes pour les humains. Donc ici, en l'occurrence, moi je recrée ce qu'on appelle un jardin forêt. C'est-à-dire que je m'inspire du système forestier pour recréer un système où l'humain a sa place et où il y a essentiellement du nourricier pour l'humain. Le soin à la terre, c'est le soin à tous les êtres vivants ou non vivants. Les sols, l'eau, les espèces et leur diversité, l'atmosphère, les forêts, les micro-habitats et les animaux. Cela implique que nos activités ne nuisent pas à la terre, mais la soignent et la protègent activement. Cela implique un usage frugal et éthique des ressources, ainsi qu'un gagne-pain en accord avec cette éthique, c'est-à-dire utile et bénéfique. Le soin à la terre sous-entend aussi le soin aux personnes, de manière à satisfaire nos besoins fondamentaux. De la nourriture, un toit, une éducation, un travail satisfaisant et de la convivialité. Le soin aux personnes a une grande importance car même si nous ne représentons qu'une infime partie des êtres vivants sur Terre, notre impact y est important. Lorsque nos besoins primaires sont satisfaits, nous avons moins tendance à nous livrer à des pratiques de destruction massive de la terre. La permaculture a aussi une éthique de vie qui reconnaît la valeur intrinsèque de chaque être vivant. Ainsi, un arbre a une valeur inhérente à sa seule existence, même s'il n'a aucune valeur commerciale. Le plus important est qu'il soit vivant et qu'il fonctionne parfaitement en tant qu'être vivant. Il exerce sa part de travail dans la nature. Il recycle la biomasse, produit de l'oxygène et du dioxyde de carbone autour de lui, abrite de petits animaux, structure le sol, etc. Nous voyons donc que l'éthique de la permaculture recoupe tous les aspects de l'environnement, de la société humaine et du système économique et social. Le maître mot en est la coopération et non la compétition.
prendre des photos. Yel calme carrément les brûlures. On fait un macérat avec de l'huile. L'huile devient un peu limite rougeâtre. Et ça, on met ça sur des brûlures. Quand vous vous brûlez avec du gaz, un briquet ou n'importe quoi, vous mettez un peu d'eau froide pour calmer d'abord. Et ensuite, vous mettez un macérat d'huile d'Achille et millefeuille pour vraiment calmer la brûlure et soigner la brûlure derrière. Je ne travaillais plus le sol ici. Pourquoi ? Et les autres étaient pour vous ? Parce que ça fonctionne tout seul. Comme une plante, on adapte au milieu. Ouais. Et la gage, je passe au broyeur. Donc ça me fait du BRF. BRF, vous connaissez. Ouais. Ça au mois d'octobre. Au pied des arbres et des arbustes, pour limiter l'entretien, c'est plutôt du BRF. BRF, une fois qu'il est mis, je suis plutôt tranquille pendant au moins un an, voire un an et demi. Ensuite, en fonction des spécificités de certaines variétés, des myrtillers par exemple. Les myrtillers ont besoin d'un pH de 4 à 5 pour vraiment bien se développer dans de bonnes conditions. Donc là, j'utilise uniquement des broyats de résineux, de sapins.